toi et adore-le. Oh, je t'ai éveillé pour faire ta voix. Oui, mon Dieu, mon roi, pour faire, pour faire. Oh, me voici, me voici. Oh, 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 me voici. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi qui es notre Roi, toi qui es notre Seigneur, toi qui ce matin nous a donné le souffle de vie, toi qui as conduit et guidé nos pas dans ton sein, Seigneur, ce matin nous poussons des cris de joie vers toi, ce matin nous poussons des Alléluia, car tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration, tu mérites l'élévation, ô Dieu notre Père. Seigneur, le long de cette semaine, nous avons été bénis. Nous entendions, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, l'héritage du Fils, ô Seigneur. Oui, Père éternel, ces choses que nous n'écouterons nulle part, tout le long de la semaine, nous avons été bénis. Seigneur, tu nous as montré que nous sommes héritiers. Mais non, pas seulement héritiers, nous sommes détenteurs de l'univers. Oh Dieu, nous t'acclamons ce matin pour ce privilège d'avoir fait de nous, pour ce privilège d'avoir fait de nous des détenteurs, des héritiers du ciel et de la terre. Père, merci. Merci pour William Branham, notre prophète que tu nous as donné et qui nous révèle ces choses, ô Seigneur. Maintenant, ce matin, nous prions que cela soit si spécial, que tu écartes encore l'homme du chemin. Seigneur, nous voulons être adoptés et que notre parole devienne la parole du Père, que notre pensée devienne la pensée du Père. Seigneur, où nous n'aurons plus à prier, mais nous aurons à donner des ordres comme notre Père William Branham l'a fait. Manifeste-toi ce matin. Seigneur, où est ton serviteur? Bénis tout le culte. Prends le contrôle de tout. Déverse tes bénédictions. Que ton Esprit Saint règne, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, sur cet auditoire. Quand tu le feras, n'oublie pas aussi notre pasteur, là où il se trouve, Seigneur. Au reste des choses, nous t'abandonnons toutes choses. Que l'honneur et la gloire et la puissance te reviennent au siècle de siècles. Nous avons ainsi prié et demandé à cause de lui. Amen. Nous allons nous asseoir pendant que nous allons appeler le moniteur de l'école de dimanche à s'approcher pour son rapport. Ah, excusez-moi. Donc nous allons nous tenir debout pour chanter à notre Dieu ce matin.
Nous allons juste chanter, laissons voir notre joie. Amen. Nous marchons. Laissons voir notre joie. Nous tapons nos mains.
grand soldat chrétien. Amen. Marchons comme à la guerre. Amen. Hey.
Je me regarde,
Seigneur. Oh oui, oui mon Seigneur, je te loue. Oh oui mon Seigneur, je te loue. J'entends, oh oui. Merci Seigneur. Quand je vois là-haut, Satan ne peut m'avoir. Quand je vois là-haut, Satan ne peut m'avoir. Oui, mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oui, mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh, Satan, oh oui. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui mon Seigneur, je te loue. Oh baby Sam Wind Katina Motimi. Oh 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 baby Sam Wind Basumu. Aïe aïe aïe. Belisa, Belisa, we die a motimi. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, Kati, Kati. Belisa, Belisa, Belisa. Oh, Deco, Belisa. Belisa, Belisa. Tout ton cœur. Oh, oh, oh. Baby Sam Winda Katina Masumu. Belisa, Belisa. Deco, Belisa. Oh, oui, Belisa. Winda Yako. Oui, oui, Belisa. Bato Mingi, Bato Mingi. Domingi, papo sua pelo pico. Ay, 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 ay. Oh, oh, oh. Pensa boco, filo vai amor conti. Bato mingi, bato mingi, bato mingi. Oh, oh, oh. Bato mingi, papo sua pelo pico. Hey, man. Oh, oh, oh. Pensa bango, pensa bango. We're
sa voix. Et moi, du tout puissant Jésus, qui a visité la terre. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? De nuit comme de jour, sois à mes côtés. Amen.
rien à gagner. Oui, Jésus m'aime. Cela me suffit. Il m'aime, il est bon. Oh oui, Jésus m'aime. Il m'aime. Oui, oui, Jésus m'aime. Oh oui, Jésus m'aime. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse son serviteur. Dans Jean chapitre 6, na 62 à 67. Na kapu ya sambanu. Nous allons lire. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, ce sont esprit et vie. Il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous le dis, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus notre Dieu, nous retrouvons ici comme un lieu de réunion. Et nous aimerons que Seigneur
Cette réunion soit accompagnée de ta présence. Et une réunion sans ta présence, c'est une réunion des sorciers. Et nous aimerons avoir une réunion des chrétiens. Où Christ est au milieu de son peuple. Où les malades sont guéris. Certainement les solutions sont données. Parce que nous vivons à l'âge où, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Et si nous sommes partis de nos maisons, nous nous retrouvons ici, c'est parce que nous croyons que ce matin nous allons recevoir quelque chose. Toi qui ne rates jamais tes rendez-vous, sois avec nous. Bénis ton serviteur Lifoko, sa petite famille, c'est que son épouse a éprouvé, mais ces choses-là doivent arriver parce que c'est déjà dit comme ça. Quand ton prophète a dit un à un, nous partirons de ce monde. Quand nous sommes venus dans ce monde, chacun avait son tour. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, quand notre jour arrivera, que quelqu'un puisse nous attendre au Jourdain. Et nous croyons que tu le fais aussi pour notre sœur qui est partie. Bénis la réunion. Bénis les officiants. Mets-moi de côté. Afin que je sois qu'un lieu dans lequel tu vas parler à ton peuple. Car le don, c'est savoir être mis à côté. Afin que Dieu puisse parler. Bénis l'interprète pour ton honneur et ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Bien, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous vous portez très bien. Amen. J'étais venu pour le mariage de notre frère Lekunzu. Il fallait bien que je reste aujourd'hui pour partir demain. Amen. Amen. Et je suis venu avec mon suivi de corps du monde que j'ai un cadet, il peut se lever. C'est le papa, la jeune Prudence qui est ici avec vous. Et mon jeune neveu aussi qui est ministre. Israël, tu peux te lever. Merci beaucoup. Matondo Mingi. Merci. Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dit, ce sont esprit et vie. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui croyaient qui ne croyait point et qui était celui qui le livrait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Alléluia. Alors, je vais parler sur un petit sujet. Ça sera le blanchisseur chinois. C'est ça mon message de ce matin. Nous allons voir qu'est-ce que le blanchisseur chinois avait fait. Frère Branham dit ceci. Dieu puissant dévoilé devant nous. Paragraphe 41. Dieu tout puissant dévoilé devant nous.
41, Prêchant 64. Yaki na mulonga makumi iya na mosi. Il dit ceci. Yaki na tuba mutindu ya imikudi. Nombre d'entre vous, hommes et femmes. Kasimine katikati ya bene babakala mpe bakento. Ici ce soir. Awa nkokila yayi. Qui peut-être avait mon âge un peu plus. Vous vous souvenez qu'il y a bien des années. Ici en Afrique, en Amérique. Les Chinois. En parlant à ce frère qu'on vient de me présenter, que cela m'est venu à l'esprit. Ils avaient l'habitude. Ils ne parlaient pas anglais. Ils tenaient des blanchisseries. Vous alliez à leur blanchisserie pour faire votre lessive. Le blanchisseur chinois prenait une étiquette et la déchirait d'une certaine manière. Vous prenez un bout de l'étiquette. Lui l'autre. Et lorsque vous revenez réclamer vos effets, ces deux bouts de papier devaient s'imbriquer. Et s'il ne s'ajustait pas parfaitement, nous ne pouvons en aucune manière contrefaire la chose. Parce qu'il détenait un bout. Et vous l'autre. Et s'il y avait falsification, vous étiez alors en droit de réclamer ce qui vous appartenait. Et vous récupériez ce qui vous appartenait. Lorsque vous étiez en possession de l'autre partie de contrat. Ainsi en est-il ce soir. Quand nous possédons l'autre partie du contrat. Lorsque Dieu a déchiré en deux son fils au calvaire. Pris son corps en haut comme sacrifice. Il fait descendre vers nous l'esprit qui avait vécu à un certain moment dans ce temps. Jésus. Ce même Dieu est voilé ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Ces deux bouts-là doivent venir ensemble. Et alors vous faites partie du contrat. Dieu s'est fait homme pour permettre à celui-ci de mieux le connaître. Que Dieu vous bénisse. Le problème ici, c'est un problème du blanchisseur chinois. Le blanchisseur chinois ne connaissait pas comment écrire l'anglais. Quand tu partais laisser ta tenue, il prenait un papier. Je ne sais pas si ces papiers je peux les utiliser. Qui sont sous la chair. C'est bon. Beauté. Alors il prenait le papier. Il te donnait une partie. Et lui-même restait avec une partie. Il le mettait sur ta veste. Quand vous revenez pour chercher votre veste, ce n'est pas parler. Ce n'est pas crier.
Il te demandait l'autre partie. Et on ne pouvait pas se falsifier ça. Oh, je veux écouter l'amen. Oh, mukena zola kuwa ameni. Est-ce que vous dites amen? Benatuba ameni. Quand ils mettaient ça ensemble, inabake vukisa mikanda zole. Ça s'embriquait. Yavandaka vuka na mbote. Cela veut dire que c'est ton habit. Yakena tuba tia kele kilele yange. Aujourd'hui nous parlons trop. Betokena kuzonza mingi kilubya buku. Nous voulons vérifier si chacun de nous a une partie de reçu en lui. Il peut dire amen. Nous nous disons, nous parlons beaucoup. Mais les œuvres sont l'expression de la foi. Si tu fais autre chose, ça ne s'imbrique pas avec la parole. Mais les falsificateurs. Est-ce que vous dites amen? Tuba ameni. Avant qu'on ne vienne la terre, Dieu avait mis une partie du reçu en vous. Est-ce que vous dites amen? Ena tuba ameni. Cette partie de Dieu qui est en vous attendait le moment voulu pour s'embriquer à l'autre partie. En ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Est-ce que vous dites amen? William Branham, Dieu l'avait déjà connu. Il avait mis une partie de reçu en lui. Autant que prophète. Qui peut dire amen? Voilà pourquoi il avait l'assurance que si l'autre partie le reçut, il n'est pas arrivé encore à s'embriquer avec l'autre partie qui est en lui, rien ne pouvait l'arriver. Voilà pourquoi on a tiré sur lui. Il n'est pas mort. Il a pris le péage. Il a essayé. Il n'est pas mort. Il est allé toucher les fils électriques. Il n'est pas mort. Pourquoi tout cela? Aussi longtemps que l'autre partie. Qui peut dire amen? L'autre partie qui ne pouvait pas s'embriquer avec ce qui était en lui, rien ne pouvait l'arriver. Vous devez être sûr de la partie qui est en vous. Je n'ai pas entendu un amen. Ça ne mange jamais. On n'est pas fils de Dieu aujourd'hui. On l'est depuis l'été. Ici, ça se confirme avec la parole qui est prêchée. Et quand la parole qui est prêchée s'embrique avec l'autre partie qui est en vous, c'est la parole fétichère. Qui peut dire amen? Voilà pourquoi Jésus avait beaucoup de disciples. Ils les ont marché. Mais avant que l'autre partie vienne s'embriquer, ceux-là qui n'avaient pas la partie du reçu en eux, ils se sont retirés. Et le jour de la Pentecôte, quand l'autre partie est venue, tous ceux qui avaient cette partie en eux, oh, je n'ai pas entendu un amen. On ne fait pas d'effort avec la parole. Mais la parole fait l'effort de retrouver la partie qui est en vous. Voilà pourquoi il est écrit: aucun élu ne sera perdu.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand vous travaillez dans l'église, soyez sûr que vous avez la partie du diaconat en vous. Soyez sûr que vous avez une partie de l'administrateur en vous. Parce que s'il n'y en a pas, vous allez falsifier le travail. Je croyais écouter un amen. 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 Alléluia. Moi je suis ancien. Moi je suis chrétien. Oh, on ne refuse pas. La partie soit s'imbriquée avec la parole. Est-ce que Rouge Gorge vous écoute, vous dites amen? Ben atuba amen Rouge Gorge. Regardez mes frères. Ben atala bakundia mono. On avait volé l'œuf de l'aigle. Bakuyimba bakuyiba kampe ki salu ya mpongo ya mbemba. Amen. Alléluia. Le fermier a amené. Kasipe mute lupango mena tayanzi. L'œuf. Parce que le problème c'est quoi? L'œuf n'a pas besoin toujours de la chaleur de sa maman pour éclore. Même la chaleur d'un chien peut faire éclore un œuf. Est-ce que vous dites amen? Le problème qui est là, il faut que l'autre partie s'imbrique. Voilà pourquoi quand la maman aigle est venue, n'a pas cherché à prêcher. Il a seulement crié. Tu n'es pas un poussin. Et cette partie qui était dans l'aigle, il s'est réveillé. Et depuis qu'on prêche la parole, tu es resté toujours le même parce que la partie là n'est pas en toi. Oh, nous sommes dans le blanchisseur chinois. Et nous sommes en train de donner le linge à ceux-là qui avaient le reçu. William Branham dit, il y a des gens qui ne recevront jamais le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir d'abord une partie du Saint-Esprit en toi. Et quand l'autre vient, il n'a pas plus une partie, il devient la plénitude du Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas si vous dites amen. Voilà pourquoi le main aigle, quand elle est venue à crier, tu n'es pas un poussin. Cela a souffert pour réveiller l'autre partie. Vous remarquerez que l'aiglon avait des ailes. Il avait un bec crochu. Il avait des ongles. Mais il ne pouvait pas connaître cela. Mais quand la mère aigle, William Branham a crié, vous êtes l'épouse, cela manifestait la sémence. Et vous remarquerez, l'aigle n'a pas eu de difficulté pour s'envoler. C'est ce même jour qu'il a compris qu'il était différent des poussins. Ce matin, si tu as une partie de l'irrécit en toi, tu comprendras que la vie que tu mènes n'est pas ta vie. Et à partir de ce matin, tu vas t'envoler. L'aigle n'était pas, il n'est pas fait pour vivre dans la basse cour. Mais c'est la circonstance. Oh, je vais écouter un amen. Qui l'a amené à vivre comme ça? Mais quand l'autre partie est venue, il a quitté la basse cour. Tu n'es pas fait pour vivre comme des païens. C'est une circonstance. Mais ce matin, tu dois t'envoler. Un chrétien n'a pas de difficulté de vivre la parole. Parce que la parole est une partie de lui. Oh, soyez bénis. Oh, benosakumunwa.
Alléluia. Amen. Vous voyez, Judas, comme il n'avait pas une partie du reçu en lui, il est parti. Tout ce qui n'ont pas une partie du ministère de l'Ifocon, ils vont tous partir. Oh, je croyais écouter un vigoureux amen. Voilà pourquoi nous nous plaignons parfois. Mais pourquoi le frère qui était avec nous, il est parti? Mais il n'était pas scellé avec ton ministère. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. N'iront pas ailleurs. Oh là là. Alléluia. William Branham, tu es un prophète. Écoute, Branham, quel est Bikoudi? Est-ce que frère vous dites amen? Benatuba amen ibankunde. Le blanc sisseur chinois? Kasi musukuja bilele ya chinois. Tu dis oh non, c'est mon habit. Oh, quel est rouge. Tu donnes des détails. Ngeke pesa mutindu ya kele. Tu dis non, c'est pas les citations. Oh, ve, yake basono ko awa ve. Je n'ai pas entendu un amen. Mumeku amen ibe. Ce n'est pas le bruit. Yake makela le ve. Mais je veux que ça s'embrique. Muzola ya vukana kitwadi. Oh, je veux écouter un amen. Muzola ku amen. Et quand ça s'embrique, il te donnait ton avis. Et nous vivons à l'âge où l'épouse doit avoir sa robe. Est-ce que vous dites amen? Mais pour avoir cette robe, il faut avoir une partie de ressentir en toi. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Benatuba amen. Voilà pourquoi moi je ne crie plus. Que tu me mets, tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Je continue le chemin. Amen. Alléluia. Écoutez mes frères. Benokua bankundia mono. Remarquez. Beno bakusambote. La glace Kasilenvo est une pierre. Ya quelle dit tadi? Une pierre circonstancielle. Ya quelle dit tadi? Il n'a même cousa kanda di sakuba mosi. Il n'est pas fait pour être pierre. Basala kaya na kuvana be di tadi ve. C'est les atmosphères. Ya quelle mi pepe? Qui l'a amené à devenir une pierre? Mena tana kuza kuma di tadi. Et avec la glace tu peux tuer quelqu'un. Pe kuna pe la glace ngela kufwa mutu. C'est presque une pierre. Ya quelle pe di tadi? Je n'ai pas entendu la main. Mume ku ameni ve. Pourquoi est-il arrivé là? Ya be kuma iki kuna sabuna ina. Atmosphères. Faites attention aux atmosphères qui vous entourent. Si vous êtes dans l'atmosphère de haine, vous ferez du mal aux autres. Je n'ai pas entendu un amen. Si tu es dans les atmosphères du vol, tu feras du mal aux autres. Mais pourtant, la glace au commencement, il était l'eau. Kasi glace vanaka tete masa. Il était le liquide. Yamekuma, mais qu'est-ce qui l'a amené à faire du mal aux autres? Ce sont les atmosphères. Yakele mi pepe. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour le ramener dans sa condition première? C'est le mettre au soleil. Yakini kutula yani nantango. Dans la chaleur du soleil. Oh, je veux écouter l'amen. Oh, muzola kuwa amen. 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 Bah, peut-être que du coup il va redevenir liquide. Mais si le soleil est en train de frapper, il commence à bouger. Il retourne ce qu'il était. Alléluia. Alléluia. Et je sais que beaucoup ont fait du mal ici. Ils ont les grossesses. Ils ont volé. Ils ont fait ce qu'un chrétien ne peut pas faire. Mais ce sont les atmosphères. Mais William Branham, Dieu l'a envoyé. Avec un grand soldat appelé Jésus en lui. Vous dites amen. Il a commencé à chauffer la terre. Et tout cela
qui était liquide, qui était fils de Dieu dès le commencement, ils vont repartir dans leur condition initiale. Amen. Alléluia. Peut-être que tu ne seras pas juste aujourd'hui, mais laisse que le soleil, la parole, passe sur toi. Et tu vas voir que tu vas commencer à bouger. Et tu vas commencer à soigner. Jusqu'à ce que tu deviennes un vrai chrétien. Mais tu étais devenu un chrétien, un païen circonstanciel. À cause des atmosphères. Est-ce que vous dites amen? La glace est une pierre circonstancielle. La pierre est une pierre, c'est insolide. Les deux sont solides. Mais prenez la pierre. Mettez au soleil. Ça lui fera absolument. Parce que dès le commencement, oh, je me sens bien. Dès le commencement, il était déjà pierre. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi des gens, vous pouvez prêcher. Prêcher. Il ne changera pas parce que dès le commencement, c'était un païen. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer. Ne vous fâchez pas contre moi, je prêche le message. Est-ce que vous dites amen? Beno kena kutuba ameni. Beno kwa bankundi amono. Voyez ça bien. Beno kwikila ya umbote. Si il y a eu le blanchisseur chinois qui est allé là-bas, c'est parce que Dieu voulait nous enseigner. Nzambe banaka zola kulongi la beto. Alléluia. Amen. Amen. Cette partie, si je prends une cuillerée d'océan, si je l'amène moi, avec moi à Brazzaville, on continue, c'est petit. Mais en qualité, j'ai tout l'océan. Est-ce que vous comprenez? En quantité, j'ai amené seulement un peu. Mais en qualité, j'ai tout l'océan. Oh, je vais écouter l'amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens disent Branham n'avait qu'une partie de Dieu. Il n'avait pas tout Dieu. Mais la partie là, c'est tout Dieu. Dites amen. Si Jésus a sauvé, la partie qui est en Branham sauve. Si ce qui est en Jésus a guéri les malades, ce qui est en Branham guérit. Amen. Alléluia. Branham a eu une partie. Branham je vous dis bien que Branham a eu une partie. Jusqu'à ce que quand le reçu est venu, ce n'est plus. Oh, je vais écouter la main. Ça, c'est un. Et ça, c'est une partie de quoi? Une partie de quoi? Les mêmes qualités qui se trouvent ici. C'est les mêmes qualités qui se trouvent là. Dites amen. Maintenant, si je veux avoir tout le papier, je le mets ensemble. Pourquoi? Nous arrivons le 28 février. L'autre partie qui était restée est venue imbriqué avec ce qu'est ton Branham. C'est devenu la plénitude de la divinité. Oh, je vais écouter la main. Oh, voilà pourquoi Branham a dit, qu'est-ce que c'est? C'était une
paix qui marchait avec sa pomme. Qui est-ce que c'est? Il dit c'est l'épée du roi. Branham a dit l'épée d'un roi. Il dit non, pas l'épée d'un roi. Mais l'épée du roi. Et Branham dit je ne connais qu'un seul. Qui est le roi des rois? C'est le Seigneur Jésus. Mais si son épée entre ses mains, où se trouvait le propriétaire de l'épée? Parce que Jésus ne se sépare jamais avec son épée. S'il est entre les mains de Branham, il faut que le propriétaire soit aussi là. Voilà pourquoi ce matin, recevez l'épée. Yamba Sabala. Et si vous recevez l'épée, le propriétaire de l'épée est là. Mutu Sabala Kelekuna. Alléluia. Qui peut dire amen? Nadiketuba amen. Voyez-vous que j'ai l'épée? Benandiba Chimukena Sabala. Voyez-vous que j'ai l'épée? Chimukena Sabala. Alors si j'ai l'épée, Kalamukena Sabala, c'est pour combattre le bon combat de la foi. Yakena kunwana vita ya mbote na kibino. Voilà pourquoi avec cette épée en moi, Ina Sabala na ngona kati ya muno, je défie tous les démons. Mukena labandefi mapembe nyoso. Que ça soit la maladie. Yavana kimbefu. Que ça soit les problèmes. Yavana bamambu. Que ça soit la sorcellerie. Yavana bundoki. Je coupe cela au nom de Jésus. Et chacun doit sortir ici en bonne santé. Oh, je trouve que l'autre partie est en train de s'embriquer. Alléluia. Est-ce que frère vous dites amen? Benatuba amen. Est-ce que vous dites amen? Benatuba amen. Jésus vient. Il fait le ministère du Fils de l'homme. Les pharisiens l'ont appelé quoi? Parce qu'en eux, il n'y avait pas une partie de reçu. Est-ce que vous dites amen? Mais la Samaritaine, elle était prostituée par circonstance. Mais elle avait une partie de reçu en elle. Quand Jésus a tourné le dos, il dit, on nous a dit que le Messie viendra, il fera ses choses. Pourquoi cela? Une partie du reçu est en lui. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris que les gens refusent la seconde venue de Jésus. C'est parce qu'une partie du reçu n'est pas en eux. Et je crois que vous avez une partie du reçu. Et il y a la partie du reçu. Jésus est devenu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quel est le travail du blanchisseur chinois? C'était laver les tenues. Et le message que je prêche est de laver vos âmes. Oh, je veux écouter la main. Afin que l'autre partie puisse s'embriquer avec la partie qui est en vous. Alléluia. Ne vous voyez pas être rien. Dis à ton frère que tu es quelque chose. Parce que une partie du reçu en toi. C'est un contrat. Le contrat était que toi tu sois sur la terre. Et lui il soit au ciel. Au moment voulu, le contrat est signé par deux personnes. Oh, je n'ai pas entendu un amen. 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 Et quand ils doivent se retrouver, ils doivent voir ce qu'ils ont écrit dans le contrat. Voilà pourquoi toi tu ne pouvais pas aller au ciel. C'est lui qui devait descendre afin de voir le contrat que vous avez signé dans l'éternité. Alléluia.
Est-ce que vous dites Amen? Benatuba, Amen. Amen. Alléluia. Mais respectez le contrat. Kasi benovumina kaluawani. Parce que certains noms seront effacés. Mais bankuma karabaye kusuna yau. Parce qu'ils n'ont pas respecté le contrat. Bame vumina luawani ve. Effacés sur la terre. Bame kusuna penantoto. Mais pas au ciel. Kasi namazulu ve. Et Ephraim. Kasi Ephraima. Adorer les idoles. Banaka bondi la biteki. Dieu l'a effacé de la terre. Zab kusuna inantoto. Mais au ciel il est là. Kasi nam Zulu, voilà pourquoi Dieu, si vous a déjà sauvé, vous êtes sauvé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Voilà pourquoi je dis aux officiants, faites votre travail avec sincérité. Selon la parole. Quand vous ne faites pas ça selon la parole, c'est que vous n'avez pas une partie du reçu des officiants en vous. Qui peut dire Amen? Dieu ne fait pas des choses avec légèreté. Si tu es administrateur, prenez ta place. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es diacre, connais ce que tu dois faire. Si tu ne connais pas ce que tu dois faire, démissionne. Parce qu'il n'y a rien au hasard. Hein? Tout ce qui a déjà été. Tu n'es pas diacre aujourd'hui. Tu n'es pas administrateur aujourd'hui. Dans la pensée de Dieu, cette chose était déjà en toi. Et si c'était déjà en toi, tu ferais exactement ce que Dieu avait envoyé que tu fasses. Amen. Alléluia. Si tu es prédicateur, c'est un reçu, une partie de reçu qui est en toi. Maintenant, quand tu fais contrairement à ce que la parole dit, alors toi, tu n'es pas appelé à être prédicateur. Ça doit s'embriquer. Ça doit s'ajuster. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Alléluia. Beaucoup de jeunes, non, non, moi je suis tenté. Voilà pourquoi je suis tombé. Non, non, non. Ce n'est pas une raison. Et la partie qui est en vous. Qui peut dire Amen? Cette partie, ce n'est pas ton père qui l'a mis. Ce n'est pas ta maman qui l'a mis. Mais c'est qui avait déjà mis ça en toi. Ça ne peut pas échouer. Tout ce que Dieu fait n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Frère Branham dit dans, je crois, le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, c'est prêché le 28-11-65, 229. Il dit, j'ai choisi de mettre mon nom à la porte de la maison, de mon adoration, car ma famille sera rassemblée à l'intérieur sous le son. Comme il en était en Égypte. Tout ce qui était à l'extérieur est mort. Et là, il n'y a aucun pain levé. Il n'y a aucun mélange dénominateur en cela. Nulle part. Ma maison. Les enfants. Mes enfants nés de mes gènes. Baba na ina muku butaka teleka. Mais nés de mes jeunes. Ils ont mes jeunes en eux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes jeunes sont en eux. J'ai mis
ma parole en eux. Je les écrirai sur les tables de cœur. C'est ma famille, la famille du corps de Jésus-Christ. La famille, c'est par cette porte que vous entrerez, pas méthodiste. Baptiste ou pentecôtiste, par la porte où j'ai mis mon nom. Que Dieu vous bénisse. Le seul lieu d'adoration se trouve en Jésus. Ne vous fâchez pas encore. Frère Branham l'a dit. Est-ce que ce n'est pas une citation? Mais on ne s'arrête pas là, on doit avancer. On adore Dieu en Jésus. Mais comment vous adorerez Dieu en Jésus aujourd'hui? Jésus physique n'est plus là. Amen. Mais l'adoration se fait en Jésus. Toute la famille au ciel s'appelle Jésus. Et sur la terre, elle s'appelle Jésus. Et nous n'adorons pas un Dieu qui est au ciel. Nous adorons un Dieu qui est en vous. Alors vous devenez le lieu d'adoration. Branham est le lieu d'adoration. Je suis le lieu d'adoration. Là, je suis Jésus. Et Branham prêche un message. Le baptême du Saint-Esprit. Où le nom de Jésus. Donc, si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu as le nom de Jésus. C'est là on adore Jésus. Et moi, je n'adore pas Jésus en l'air. J'adore Jésus dans les hommes. Mais avant que je l'adore dans les hommes, je l'adore dans un homme. Oh, dites amen. Voilà pourquoi ne faites pas du mal à ton frère ou à ta soeur. Vous ferez du mal à Jésus. Car quand Saoul partait pour persécuter les chrétiens, il a rencontré le grand soleil. Le grand soleil lui a dit: Saoul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il dit: mais comment je te persécute? Moi je vais persécuter les chrétiens. Donc persécuter ces chrétiens-là, c'était persécuter Jésus. Oh, je veux écouter la main. Voilà pourquoi parfois les gens se font des problèmes pour rien. Parce qu'ils ne creusent pas. Ils construisent leur maison sur le sable. Mais il faut creuser. Creuser. Ça, c'est des hommes intelligents. On n'adore pas Dieu dans ce qu'on voit. Mais on voit Dieu, on adore Dieu dans l'invisible, dans ce qu'on voit. Voilà pourquoi Branham a prêché un message. Il a regardant dans l'invisible. Il a dit regardez dans le visible. Dites amen. Voilà pourquoi quand votre pasteur prêche, il quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Ça dépend de ce que vous voyez. Les pharisiens regardaient Jésus, c'était un homme. Mais il y a eu la femme qui a traversé Jésus, a vu le Messie. Dans ce cher chinois, qu'est-ce que tu nous dis encore? Amen. Alléluia. J'ai aimé un jour, l'EFE nous avait parlé d'un monsieur qui avait sa fille. Amen. Amen.
Et avant que l'enfant ne dorme, il chantait une chanson pour faire dormir l'enfant. Et c'est cette chanson-là qui faisait dormir l'enfant. Il y a un couplet que lui chantait. L'autre couplet, c'est l'enfant qui chantait. Qui peut dire amen? Un jour, il y a eu un voleur qui a kidnappé l'enfant. Et le papa restait calme. Et d'ici, il n'est pas mort, je vais le retrouver. Qui peut dire amen? Toi, sois rendu à Dieu, tu n'es pas mort. Dieu doit te retrouver. Et comment te retrouver? Oh, je veux écouter l'amen. Il a attendu que l'enfant parte à l'école. Quand il est parti à l'école, le papa a pris sa guitare. Il a commencé à se mettre debout à la sortie de chaque école. Et il a chanté ce vieux cantique qui faisait dormir son enfant. Ce cantique-là était toujours dans l'enfant, mais endormi. Oh, je veux écouter la mère. Mais l'autre partie était avec le père. Et quand il arrivait dans une école, appelé kimbanguiste, catholique, protestant, et protestant, il y chantait. Louons Jésus. L'enfant disait amen. Qui peut dire amen? Et il est passé partout, rien. Il n'y avait pas de retour. Mais il arrive dans une école. Il a commencé à chanter. Louons Jésus. Louons Jésus. Les enfants sortaient. Un enfant va. Quelque chose qui est en lui, une partie de cette chanson. Oh, que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce matin, une partie en vous en train de se révéler. Et dites amen. L'enfant est parti. Cette partie en lui a dit non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le papa continue, louange Jésus. Et l'enfant a dit amen. Louange Jésus. Amen. Amen. Oh papa dit voilà. Mon enfant qui était perdu. Aucun élu ne sera perdu. Il y a une partie de Dieu en vous. Dieu doit vous retrouver. Oh, je vais écouter l'amen. Même si tu étais dans l'école de prostituées, il va vous retrouver. Si tu étais dans l'école des sorciers, des féticheurs, il va vous retrouver. Parce qu'une partie de la rédemption se trouve en vous. Alléluia. Est-ce que Rouge-Gorge, vous m'écoutez? Rouge-Gorge, quand Rouge-Gorge a commencé, il y Rouge-Gorge Bandaka. Il y avait seulement un petit groupe. Sous le manguier ici. Mais vous étiez où? Vous étiez toujours là. Mais vous attendez la chanson. Quand la chanson arrivait à vous, vous avez reconnu la chanson que le Père chantait pour vous. Et ce n'est pas fini. Il y en a encore d'autres qui n'ont pas encore écouté. Il n'y aura plus de place. Qui peut dire amen? Alléluia. Comme il n'y aura plus de place, qu'est-ce que vous voulez? Demandez ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Je vous donne tout le quartier. Dites amen. Hier, on ne croyait pas qu'on pouvait acheter la parcelle d'à côté. Est-ce qu'on pouvait côté acheter celle-ci? Je vous pose la question. Amen. On ne pouvait pas selon nous. Mais selon Dieu, c'était déjà acheté. Voilà pourquoi tout le quartier, nous l'avons déjà acheté.
Je me rappelle un jour, je prêchais ici. Alors que les voisins étaient là, j'ai dit cette parcelle, c'est notre parcelle. Qui ne refuse ou pas, partout vous l'aurez les plans de vos pieds. Je vous le donne. Mais vous devez combattre centimètre par. Nous avons combattu ici. Et nous avons gagné le centimètre. Nous avons gagné le centimètre. Nous allons gagner le centimètre. Centimètre par. Je croyais que j'étais devant les croyants. Tala, nous sommes des esprits. Hein, nous sommes plus des hommes. Parce que. Amen. Alléluia. La bataille ne se passe plus sur la terre. C'est dans les lieux. Nous ne combattons pas contre la chair et quoi? Nous combattons contre les esprits. Mais pour combattre contre un esprit, il faut devenir quoi? Alors nous sommes des esprits. Alléluia! Peuple de Dieu! Peuple de Dieu! La voiture, tu l'as déjà achetée. La parcelle, tu l'as déjà achetée. Le mariage, tu l'as déjà. Moi seulement. Alléluia! Ouais, c'est des millions ça. Bakundi! C'est des millions ça. Avec une maison comme ça, vous savez combien ça coûte? Est-ce que hier on pouvait parler de ça? Non, je vous pose la question. On pouvait parler de ça? Pourtant Dieu avait déjà parlé. Quand Dieu parle, alors ne discutez pas. Est-ce que vous dites Amen? Amen. 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 Oh oui, monsieur. Oh, télécamboutamont. Oh. Amen. Je vais terminer parce que moi j'ai toujours le bonbon. Mouke Manissa Samouti. Le bouton, c'est Matthieu. Kasi Yakelepe Matthieu Kele na bouton. Mouke le poin à bonbon. Matthieu quand il prêche. Mouke Zolaka na Matthieu Kelongaka. J'aime l'écouter. C'est un homme extraordinaire. Quand là il fait prêche, il est l'Africain à Longa. C'est un homme extraordinaire. Chacun a son genre. Oh, je veux écouter la main. Ouais, n'essayez pas de nous séparer. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Si vous enlevez un, il n'est plus parfait. Est-ce que vous dites Amen? Ben Atuba, Amen. Vous dites Amen? Ben Atuba, Amen. Pour que la conscience soit complète, il faut sept couleurs. Mais ça vous dit que vous avez la couleur de la langue qui s'emboîte. Alléluia. Écoutez. Ben Okua. Lisez ceci dans. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Péché le 29-12-63. Peut-être je ne vais pas lire parce que c'est lent. Et mais vous trouvez ça là. Y a quel pays d'Amingi? Vous savez en Angleterre? En ce temps-là, on fabriquait les papiers avec les chiffons sales. Abraham dit que les chiffons sales étaient entassés dans les chambres. Et un jour, on est allé appeler la reine pour voir l'usine de fabrication de papier avant qu'on puisse fabriquer le papier avec la pâte des arbres avec des chiffons sales. Et on a pris la femme
la reine. On l'a met à l'usine. Et bien voir les papiers. Oh, que Dieu vous bénisse. Quand ils sont entrés dans une chambre, c'était des papiers sales qui dégageaient. La reine a dit, ça c'est quoi? Il dit c'est les papiers. Oh, comment les papiers comme ça? Que Dieu vous bénisse. Après, on lui a fait entrer dans une autre chambre. Les papiers, les chiffons sont devenus propres. Et on lui a fait traverser dans un autre papier. Une autre chambre. C'était maintenant des papiers. Il dit, mais comment? Il dit, non, c'est des chiffons sales. Quel est le chiffon yavindo? Il passe par un processus. Mais l'outil a devenu papier. Kekuma. Et à la fin de cela, on a pris l'image de la reine qu'on a imprimé sur le papier. Et je crois qu'ici là, c'est l'usine de fabrication de papier. Venez tel que vous êtes, avec toute votre saleté. Mais ici, vous passez processus par, oh, je vais écouter la même. Et à la fin, tu deviens un papier. Mais tu ne restes pas seulement un papier. On doit imprimer l'image de la reine. Tu deviens, alléluia, l'image du Dieu invisible. Alors ce moment tu peux dire, celui qui m'a vu a vu qui? Ne négligez personne. Rouge-gorge, c'est une usine de fabrication de quoi? Si l'autre n'est pas encore arrivé là, ne se moque pas de lui. Il doit passer par. Oh, je vais écouter la main. Voilà pourquoi rouge-gorge. Nous avons un blanchisseur chinois en ce temps ici. Et donc, il a beaucoup d'habileurs chinois. Appelé William. Il a beaucoup d'habileurs là. William Branham. La partie qui est en vous. Et ça, vous n'avez qu'à partir de nous. La partie qui est en Branham. Y a quelle somme on a rappelé à Branham? Parce que la partie qui est en vous. Et ça, vous n'avez qu'à partir de nous. Ne s'imbrique pas avec ce que Branham a prêché. Mais quand vous connaissez la Branham est longue à vous. Vous n'avez pas été dans la pensée de Dieu. Ben on va n'avoir des bases à y en s'habiller. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Parce que sur la terre, il doit avoir un représentant de Dieu. Quand il y a la guerre, chaque nationalité fuit à son ambassade. Et l'ambassade n'est pas le pays, mais c'est tout le pays qui représente tout le pays. Nous avons aussi notre ambassade, l'ambassade de Jésus sur la terre est appelée William Branham. Quand ça devient chaud, courez là-bas. Qu'est-ce que Branham a dit? On te dira, Branham a dit, c'est ton assurance. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est que pour les gens de ce pays. Si tu n'es pas de ce pays, ne va pas là-bas. Branham est une partie de Dieu que Dieu a envoyé. Il en zambi me finit ça. Ne dites pas que j'ai dit, c'est moi qui l'ai mis parti. Comprenez ce que je veux. Ce qui fait du mal aux gens, c'est le nom Branham. Branham, c'est un homme. Branham, c'est un homme. Mais au-delà de cela, est-ce que vous comprenez? Je pour mieux expliquer ça, qu'est-ce que je veux dire? Le président Sassou, Kasi Benfumu ya insi Sassou, c'était un Mboshi.
Au-delà de Mboshi, il est président. Je ne sais pas si vous comprenez. Branham, c'est un homme. Mais au-delà de l'homme, complétez vous-même. Qui peut dire amen? Amen. Amen. Je vais terminer. Excusez-moi, je fais comme Ngwabi. Ngwabi. Tu as connu Ngwabi? Ah. Les gens qui ont connu Ngwabi. Ils ne sont pas nombreux. Hein? C'est des espèces en voie de disparition. Ngwabi, quand il faisait le discours, il vous prend 2 heures. 3 heures. Tout le monde commence à crier. Oh, oh, non, on est fatigué. Après, il dit militants. Pour terminer, je vous dirai ceci. Vous vous calmez. 1 heure encore. Que Dieu vous bénisse. 1 heure encore. Oh non. Oui, je vous ai compris. Oh, peuple. Oh, militante. Je comprends que vous êtes fatigué. Mais laissez-moi vous dire une situation. Vous vous calmez. 2 ans. Mais moi, je ne ferai pas le Ngwabi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Donc, le message aujourd'hui, on ne force pas. Il suffit d'avoir la partie que Dieu a mise en toi. Tout devient facile. Veuillez écouter un amen. 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 Il n'y a pas non frère, viens. Tu ne fais pas ça. Viens à Dieu. Tu comprends? Bien là-bas, ça. Est-ce que vous comprenez? Ben ok là-bas, ça. Dans le blanchisseur chinois. Moussoukou de Bilal est chinois. N'avait pas à te faire des câlins. Calme-toi. On va, il dit non. Amen seulement le reçu. Natina mono ndambia mukanda luawani. Jenga mambu. Ndambo a reçu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Les gens qui se plaignent trop là, ils n'ont pas de reçu en eux. Bon, je termine. Mouke namanisa. Amen. Amen. Je voulais lire quelque chose et puis je termine. Mozola katanga de sonoka mosimpe mke kuiza manisa. Parce que nous on est devenus des professionnels. Samoti beto mekuma ba ina mezaba kisalu. La différence avec nous. Et 60 pe na beto. Les mêmes citations. Masonoka kwandi mosi. Mais la manière de les. Kasimoti ndu yakusadila yawu. C'est ça le problème. Ni yina mambo. Donc les jeunes, si vous voulez devenir comme nous, soyez derrière nous. Ne voyez pas nos fautes. Les fautes, nous les ferons. Mais la manipulation. Oh, est-ce que vous dites amen? On a les vieux là, tout ça là. Oh, babi, bon, baïna. Ba petit. Ah, ba petit. Calmez-vous. Beno vanda suit. Moi j'entends les petits chanter. Hein. Ils chantent. Qui peut dire amen? Vraiment amen. Les moutons, c'est des bons chanteurs. Je les jette dehors. Mais le vieux grec, le vieux fatigué. Vous connaissez l'histoire comment? Violent, vous connaissez, non? Hein? C'était un vieux maître, hein? N'est-ce pas? Les gens disent, oh, ça se finit. Mais le vieux maître, quand il vient, il y a une cuisse en paix. Oh, que Dieu vous bénisse.
Tout le monde commence même à entrer en transe. Mais pourtant les autres ont chanté. Mais lui il parle tout le monde. Non, le problème c'est un vieux maître. Je vais écouter un amen. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Il commence à enlever la poussière. Alléluia. Ma petite, doucement. Babana, malembe, malembe. C'est pas la guerre. Y a quel invite avait. Nous sommes venus avant vous. Nous allons partir. On va vous laisser la place. Mais pour le moment, nous sommes là. Suivez-nous. Beno landa beto. Que Dieu vous bénisse. Bika Zambi, sakumuna beno. Acceptez-vous que je dise shalom au tabernacle de la moisson? Benandi matimu pesangemba na dibunda ya la moisson. Merci. Matondo. Que la partie de reçu en vous. Endambi ya mukanda elwaona katia beno. Puisse se révéler. Yakuza ikuswa. Que Dieu vous bénisse. Bika Nzambi sakumuna beno. Je remets la place au diacre. Muke pesa kisika na fumu ya mikengi. Merci beaucoup. Matondo mingi. Nous allons nous lever. Avec nos yeux fermés, juste dans l'esprit de la prière. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon, oui, oui, accepte. Mon offrande, fils de Dieu, oui, être sur moi, descende. La flamme de, oui, oui, accepte. Mon offrande, oui, être sur moi. La flamme de Saint-Denis, j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie. Oui, que sur moi,
Nos voix, prions le Seigneur pendant quelques instants, remercions-le.
accepte, accepte mon offrande. Oui, bien aimé, fils de Dieu, et que sur moi descend en de la flamme du Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, toi la pierre de jaspe et de sardoine, toi Benjamin et Ruben, tu es revenu en ce temps de la fin, Seigneur, pour venir s'identifier à nous. Parce qu'en réalité, tu avais placé en nous une partie de toi-même. Comme nous savons, Seigneur, Lévi n'avait pas de terre. La terre de Lévi, c'était les 12 tribus. Et Lévi devrait se retrouver sur chaque tribu. L'héritage de Lévi, c'était chaque tribu. Et aujourd'hui, Lévi, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oh Dieu, nous avons vu Jésus être enterré. Mais quand il ressuscite, il y a plusieurs Jésus. Seigneur, le mystère du blanchisseur chinois. En ces jours, nous pouvons nous identifier à Christ lui-même. Et comme nous savons que dans les champs, il y a toujours une gerbe agitée. On a vu la gerbe être agitée en ce temps de la fin. Lors de cette fête, à la fête des tabernacles, on a vu un tabernacle qui ressemblait exactement au tabernacle de l'Est. William Harold Branham, il a montré que Jésus est vivant aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous avons vu les ressuscités prendre la forme d'un homme, d'un montagnard. Et quand lui aussi, il est allé dans la nuée, il est revenu. Il a distribué les terres. Il a distribué une partie de la divinité dans chacun. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous appelons Madame Jésus, la reine du ciel. Oh Père, quel privilège, quelle grâce, quel privilège d'être appelée Madame Jésus. C'est pourquoi Seigneur, à cause de cette parole, s'il y a des malades ici, il y a une puissance de guérison qui guérit les malades. Parce que tu envoyais ta parole et ta parole les avait tous guéris. Guéris tous les malades ce matin, Seigneur. Réponds aux requêtes ce matin, ô Dieu. Donne à chacun le désir de son cœur. Alors que, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin, bénis ton serviteur que tu as vidé. Je crois que tu vas remplacer là où tu as vidé. Et que dans les jours à venir, qu'il soit utile et une bénédiction pour le peuple de Dieu. Car tu as dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali a vu la grande lumière du soir. Ils ont venu adorer les rois. Merci Seigneur. Je pense que par ces messages entrecoupés, produira Christ qui pètera les nations avec une verge de fer. Christ dans les hommes, la plénitude de la divinité. Va avec tout un chacun. Alors que Seigneur, nous pensons à notre pasteur qui va passer un concert. Laisse qu'il soit, oh Dieu, une bénédiction pour la RDC là-bas, Seigneur. Que tous ses ennemis puissent tomber devant ses pieds. Parce que je sais que tu es toujours derrière tes enfants. Car si nous sommes derrière les messagers, nous recevrons la plénitude du messager et nous deviendrons messagers de ces mêmes messages. Sois loué et béni. Bénis les dîmes et les offrandes.
que tout soit pour ta sainte gloire, dans les noms infaillibles, les noms tout suffisants du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé et prié. Nous disons Amen. Pendant qu'on fait passer le plateau des offrandes. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Jésus m'aime. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Les enfants lui appartiennent, ils sont faibles, mais lui est fort. Oui, Jésus m'aime, oui. Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit, alléluia, oui, Jésus m'aime, il m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible m'aime, oui, alléluia, oui, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible m'aime. Jésus m'aime, lui qui est mort pour ouvrir les portes du ciel. Il ôtera mon péché, fera entrer son enfant. Jésus m'aime, Jésus m'aime, lui qui est mort pour ouvrir les portes du ciel. Il ôtera mon péché, fera entrer son. Alléluia, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Alléluia, oui, Jésus, il m'aime, je le sais, oh oui, il m'aime. M'aime, la Bible me le dit. Alléluia, oui, Jésus, il m'aime encore, je le sais, oh oui, il m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, même toujours, que je sois malade ou faible, que son brillant trône du ciel, il vient pour veiller sur moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, même toujours, que je sois malade ou faible, de son brillant trône du ciel,
du ciel, il vient veiller sur moi. Oh oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Alléluia. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Allez dans vos maisons, dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Dieu voulant à nous revoir le mercredi dans la réunion de prière. À l'église, prière de pouvoir voir les diacres. Un frère a oublié son carton de parfum à l'église. Veuillez voir les diacres, s'il vous plaît. We have done me well. We have done me well. We have done me well. Jesus, we have done me well. We have done me well. We have done me well, Jesus. We have done me well. We have done me well. We have done.